Kigundi cha akiba na mkopo katika lugha la Kifaransa Cooperative d'Epargne et Crédit kinachoitwa Peke Siwezi kimezinduliwa rasmi naye chef de bureau ambaye alimwakilisha administrator wa tarafa la Moba. Siku hii ya kwanza tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2022 kabla ya kuzindua kigundi hiki, wanamemba walianza na mlolongo wa mapikipiki ama karavani motorize wakizunguka eneo mbalimbali ya mji wa Kirungu. Alipokuwa akizindua, mwakilishi wa administrator wa tarafa la Moba alisapoti viongozi wa kigundi hiki kwa kupatwa na wazo njema, pia akiwatakia maongozi mema. Qu'il me soit accordé de prime abord de saluer les initiateurs de cette coopérative ayant trait au développement économique du territoire de Moba en particulier et la République démocratique du Congo en général. Son existence étant d'une importance capitale sur la vie économique de notre population, j'exhorte à tous les membres faisant partie de cette organisation à la gestion rationnelle de cet appareil afin que les objectifs assignés soient de mise et puissent servir d'exemple à ceux qui en voudront faire de même. Surtout, bien entendu, en respectant les tests légaux en vigueur en République démocratique du Congo. Coordonata anayesimamia kigundi hiki ama kooperativi hii tarafani Moba alieleza ni namna gani watakavyoendesha kazi ndani ya gundi hiyo. La coopérative Peke Siwezi qui est aujourd'hui agréée dans la province du Tanganyika, donc à l'initiative des membres qui se sont détournés pour voir comment la province du Tanganyika est dans un degré de la pauvreté très élevé. Ils ont constaté qu'au niveau de la province, la population, la communauté n'ont pas un endroit où ils peuvent faire l'épargne et avoir l'accessibilité du crédit. C'est pourquoi la coopérative Peke Siwezi est agréée par la Banque centrale du Congo pour aider à soulever un peu les niveaux de la vie de la communauté de la province du Tanganyika. Comme tout ailleurs, il y a beaucoup de coopératives, mais chose étonnante, dans notre province du Tanganyika, aucune coopérative agréée par la Banque centrale. C'est pour nous vraiment une très grande joie de voir naître une coopérative dans notre province du Tanganyika. Monsieur Adissi, quelles sont les conditions pour être adhéré à votre coopérative? Selon l'approche, monsieur le journaliste, nous avons d'abord commencé avec le groupe Vesla, que nous avons commencé à encadrer dans notre méthodologie pour permettre que les gens commencent à faire l'épargne et avoir l'accès au crédit, et même dans les différents groupes qui sont constitués de 12 à 21 personnes, selon notre condition. Et c'est la première opportunité pour quand même être accepté à notre coopérative. Deuxième condition, comme la coopérative venait d'être agréée par la Banque centrale, les portes sont ouvertes à quiconque peut ouvrir un compte au niveau de la COPEC. Un compte d'épargne ordinaire ou soit un compte d'épargne et de crédit. Voilà, notre message consiste d'interpeller à la communauté mobatracienne que vraiment nous avons constaté qu'avec une très grande thésaurisation de la monnaie, avec l'approche de certaines institutions, des ONG qui viennent et qui demandent à mettre l'argent dans des petites mains pendant des mois et des mois sans que cet argent ne soit pas en circulation. C'est une approche qui contribue à la pauvreté. La coopérative d'épargne et de crédit ouverte dans la province de Tanganyika invite quiconque qui est en train de thésauriser l'argent d'éviter cet mauvais système qui va mettre la province dans une pauvreté. Baada ya uzinduzi, kodonata wa shirika la raia pamoja na presidenti wa wafanyabiashara Fake Moba walieleza kwamba kooperative hii itasaidia sana wakaji wa Moba na hasa wafanyabiashara. Nasikia mzuri kuwa hapa ku kundi ya akiba na mkopo kwa Peke Siwezi.
Tuko na magundi mingi mutarafa ya Moba ya Kiba na Mkopo, lakini magundi ya mingi iko naishia mubatu kusomana maparsele, iko naishia mubangine banakimbia. Na ni alama ya kusema kama vitu viko vinakamatwa kiutoto kitoto na kuna uzito. Lakini hivi vyenyewe tunaitwa hapo sisi. Naona na baba ate anaitwa, na mimi naitwa, na wengine wote. Ni matumaini ya kusema kitakuwa kitu kia serie, na kikamatwe mzuri, kiendeleshe, kisikwe kia siku mbili, kivunjike sawa sawa na vingine vyenye tuko tunajua umu mtarafa yetu. Amjambo tena. Pili, mie niko mkunga mkono Akiba na Mkopo ya peke siwezi. Kwa hivi, najua mwendesho wao wa kazi, madokima yenye veko nao ya kuforme nao batu, alama ya kusema na mweye mutakuwa forme mzuri namna gani kujere Akiba na Mkopo. Tujua Akiba na Mkopo inakuwaka ye, mtu gani anapasha kwenda kubeba Akiba na Mkopo, kubeba kwa franga, namna gani unapasha kwenda kutia franga yako, namna gani unapasha kufuatilia franga yako, mapara yako yenye ulienda kuepanye kwa Akiba na Mkopo. Kwa upande wao walioshiriki kwenye sherehe hiyo ya uzinduzi wa kooperative hiyo, walishuhudu kwamba kooperative hii itawasaidia wao kwa ajili ya kuweka na kukopa fedha. Naikala pale ndalama, kazi yangu napeleka tu pombe rutuku, kugura sengi sana, shusha mwa porno, uzisha napata makuta kupeleka kwa Akiba na Mkopo. Najisikia furaha kwa sababu nyumba yangu sikuwa najua kutunza makuta. Lakini kwa pale depuis tu ile kooperative inakuya na makuta, nikaanza kuitunza mzuri sana. Wakaji wengine na watakia karibuni wote, kwa sisi wote tujiunge kwa Akiba na Mkopo. Inaitwa Kitapa Musota Charles, chef de bloc Ndalama. Maoni ninayo ni hii. Naita Ndalama tuendelee. Ninapenda wale wote wenye kwao kubakilia kumgongo, wenye kubakilia nyuma, wapajikaze tuingie mwai makopeki. Tunapoingia makopeki tufanye ile usingizi ya jana, usitie franga nyumbani kwako. Acha franga iende kopeki. Takusaidia kesho. Mimi kazi yangu naisha tu bunga kwa mogo. Mimi najisikia huru, nasikia furaha sana, itatupatia nguvu ya kufanya kazi. Tuzidi kufanya kazi ya kutafuta pesa, huku tulikuwa wazito, jua tuna nafasi ya kutia pesa. Hivi tusiwe tunatia pesa tena manyumba, tufanye kazi tuwe tunapeleka ku bank. Maoni yangu, nasikia furaha kubwa sana kuona kama tunapata bank local hapa Moba. Sababu mara nyingi sisi tulikuwa na tia makuta kwa manyumba, hakujua fasi ya kutia pesa. Wakati tunaanza kutia makuta kupeka kwetu kwa association yetu hii, tunaanza kuona mafaa sana. Kwa sababu gani? Makuta ipotei tena kama kawaida. Na tunatia vizuri na tunapata faida. Na mwisho wake tunapokabuana, kila mtu anatoka na furaha. Jueni kwamba ofisi ya kigundi hicho inapatikana maeneo ya Kitenta.